Nagi, player 1, qui joue Pyra Omega contre Astaroth, joué par Jag. Hier, Kusanagi, il a pris sa revanche sur Itazan, Itabashi Zangief. Mais le radeau qui profite évidemment à Jag. Voilà, 2-2B. Voilà, 2-2B avec le 4B pour l'instant. C'est dans la garde. Kusanagi qui trouve la chope. Elle passe entièrement. Pas de soucis pour le follow-up throw. Le back kick pour taper dans l'OTG du Astaroth. Bull rush, ça passe. Un spécial aura qui passe. Regarde la barre qui vole de Kusanagi. Jag pour l'instant qui prend l'avantage. Kusa qui recherche la chope, c'est déchopé. Kusa et qui mange encore la chope fait en A d'Astaroth. Premier round pour l'Allemand, Jag. Jag, The Gemini, voilà, ah, tout de suite, il mange sans doute dans son step le caravan B. Pour l'instant, le 2-2, mais ça, ça passe dans la garde. Le bull rush qui touche en entière. Le guard break, il prend l'avantage encore. Bull rush, Kusanagi qui s'en sort bien avec un 2A. Ouah, aïe, 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 le Ayara s'échappe bas, c'est déchopé par Kusanagi. Il a pu step pour passer le 2-2, Brevet, et ça, c'est ring out. Jag, 2-0 déjà, c'est en deux matchs gagnants, hein. Ça peut aller très, très, très vite. Bull rush, Jag qui joue, mais comme dans tout... Oh ! Premier match pour Zach Gemini qui a totalement explosé le français Kusanagi qui s'est fait mind-gamer. Il peut changer de round, hein, Kusanagi. Change stage, évidemment, ça a son avantage. Pendant que sur le deuxième, vous pouvez suivre Kami Chang, le japonais, contre Raziel. Ça se passe sur les écrans d'à côté. Alors on va aller voir dans quel stage ça se déroule, est-ce que ça va être plus à l'avantage. C'est pas beaucoup plus vraiment, même pas du tout à l'avantage de Kusanagi. Allez, Kusanagi, voilà, frame trap pour passer le caravan B. Bien joué, Kusa. Attends, non. Jack, il pensait pas qu'il se prendrait, il a juste voulu mettre Bull Rush derrière. Il avait pas anticipé, il s'est chopé, mais c'était heureusement chopé dans le Baba B. Voilà, Kusanagi qui a repris du poil à la bête. Est-ce qu'il va passer le follow-up shop? Et ça passe comme dans du beurre. Voilà, Kusanagi, bien joué avec ce petit lot pour tranquillement finir Jack The Gemini. Pas de problème pour Kusa. Kusa, pour l'instant, en difficulté. Voilà, Kusa, voilà, le standing B s'est placé, la chope en B qui passe complètement pour Jag avec le 2-2B, Brevet, 6-6B, Baha et Jag qui revient à un round partout. Bull rush chargé. Et un B, mais il ne s'est pas passé. Et le 6, le 6 kick counter qui est passé, heureusement, il s'est baissé sur le wide standing. Ah, c'est passé encore pour cette fois-ci Jag. Qui tente encore, arrière B, arrière A, arrière A, arrière A, bull rush, Jag avec le 1B, ça passe de 2B, ça s'est passé, c'est dans la garde, et bull rush, Brevet, oh là 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 là. Arrière A, pour l'instant, Jag qui s'en sort bien, il mène de Runa, c'est donc la balle de match pour l'allemand, bull rush, mais le mind game allemand, qui marche très très bien pour l'instant, c'est très basique mais ça fonctionne très très bien. Voilà, mais tout ça c'est safe, pas de problème. Kusanagi qui cherche évidemment ce coup là pour pouvoir mettre ses deux super, et voilà, il a vu passer le carrière arrivé dans le dos. Attention, Kusa qui tente de slash up, faut absolument revenir à deux rounds partout pour pouvoir tenter de gagner ce match. Ouf, c'est de choper la chose B, le 2-2B qui passe dans la... Ouah, le boule rechargé à 30 km qui passe. Et tout de suite, ça va être fini, mais trop tard, évidemment. Jag qui finit avec 6-6. Ouh là 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 là. Il avait deux barres. Heureusement qu'il avait deux barres et qui lui permet de placer la critical edge. Mais ça va pas tuer à ce niveau-là. Et voilà, avec deux kicks pour terminer. Allez, Jag, ouais, c'est bien tapé ça dans le... Dans le B+K. Bien joué de la part de Jag. 2-2B, voilà. Kusanagi qui reprend un petit peu du poil de la bête pour tenter de revenir. Le 3B, c'est pas puni. Oh là 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 là. 2-2B Brevet avec le German Suplex derrière. Oh là, il a une garde à Kusanagi. Ça va se jouer un très peu de chance pour Kusanagi parce qu'il est malade. Est-ce que le flash up spécial en A qui passe, Kusa qui revient un match partout après avoir été très largement dominé par Jag The Gemini. Ça se concentre. Battle one. White. Voilà, avec Jag qui place la chope en A. Attention à l'esquive. Cette fois-ci, il l'a vu, Kusami. Il punit mal. Il punit mal à Jag qui trouve la chope spéciale en A encore une fois. Enough.
Et voilà, le premier round pour Jacques et Gemini avec le bull rush qui est complètement passé. C'est pas terminé parce que Jacques, il va tenter de revenir. Alors, ah, ça passe assez dans la garde. Jacques s'est déchopé. Pour l'instant, bull rush de 2B. Allez, faut pas lâcher. Premier round pour Jacques, mais Kusanagi a remonté plus. Voilà, bébé, bébé dans le bull rush. Et non, parce que c'est le bull rush réveil. J'ai le deuxième qui va toucher la barre qui vole complètement. Allez, Kusa. Oh là là là, quel dommage, quel dommage. Attention au frame trap. Il anticipe une choc peut-être, Kusanagi. Ça va partir dans le mur, et donc ça va faire très mal. Ah, c'est pas terminé du tout. Oh là là, bah, c'est terminé là. Hein. Ouf! Ouf! Non, 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 Jacques qui rate la ratable. Jacques qui rate la ratable. Est-ce que ça peut lui coûter le match? Ça serait extraordinaire que Kusanagi revienne. Oh! Jacques! Il avait juste à faire, je sais pas, n'importe quoi. Et ça passait. Il a voulu. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Et oh là, le guard crush, évidemment, avec le 6B derrière. Et Jacques, voilà, c'est qui cherche, qui a peut-être cherché le tech trap, je sais pas. Voilà, c'est puni par Kusanagi. Double contact pour l'instant. À l'avantage, heureusement qu'il chope là sur ce brûleur. C'est pas trop grave pour l'instant. Attention, ring out. Le 2-2B, c'est bien bloqué de la part de Kusanagi qui s'approche de Jacques avec un bébé. C'est dans la garde. Il tape 2A dans la chope. C'est bien passé. Le déclic encore. Frame trap. Et Jacques, il en a marre de se prendre ça. Et oui, il a la brave edge. Et ça va pas tuer. Et le pif français! Meurs pas sans ton pif! Critique Collège à la relevée! Qui permet à Kusa de revenir de très loin! Kusanagi qui s'offre une balle de match! Avec un beau pif à la Street 4! Mais il mange! La chasse spéciale en B! De 2B Brave Edge! Ah, évidemment, pour l'approcher du bord du ring! Allez, Kusa! Qui cherche le frame trap, ça passe pas! Il mange un kick! Et là, voilà, il a de la chance parce que Jag a raté la chop en A, la chop P, ça fait chop normal, double bull rush. Allez, balle de match pour les deux joueurs, on est au finish. Il y a une place en finale de la winner bracket, autant vous dire que ça compte pour quelque chose. Ce round, ce death round, bien joué là d'avoir invité la chop, ram trap. Oh là là, encore ce bull rush brave edge pour s'approcher du mur, attention back turn. Et le 6 kick qui passe, c'est aussi Jag, voilà, il a pas pris de risque, il fait directement 4B. Aïe, va falloir trouver un truc mystique là, Kusanagi, pour t'en sortir, parce que ça va être très compliqué contre Jacques. Aïe, victoire de Jacques de Gemini, l'Allemand qui se qualifie pour la finale de la Winner Bracket. Alors qu'il se passe quoi à côté? Alors que Raziel par contre a battu Camille Chang à côté. Grosse nouvelle à King of Fighters, Ken Suzang a sorti Frionel. Frionel n'est pas dans le top 8 de King of Fighters 13 solo. Drama! L'autre demi-finale de la Winner Bracket, Sawazuma versus Dekopan. Winner Bracket Semi-Final 2. Sawazuma, une demi-finale 100% japonaise entre Sawazuma et Dekopan pour pouvoir aller affronter Jacques et Gemini en finale de la Winner Bracket. We'll be right back.
Alors voilà, Sawazuma, le joueur de Maxi, va jouer en player 1. Sawazuma versus Shining Decopon, le vainqueur de l'Evo, le champion du monde en titre, le japonais Decopon, qui joue en player 2. First to two. Et sur l'autre bande, vous pouvez suivre un match qui oppose Malek le français à Rufus le russe pour continuer dans la loser bracket. Qu'est-ce qu'il y a ? Try to treat me like greater than toast me impossible. I cut a sucker in small chunks, make more rhymes than Michael Jordan makes slams. I'm slow, quantitative. Sawazuma, le joueur de Maxi, japonais, une demi-finale 100% japonaise, pourrait l'affronter un joueur allemand. Il n'y aura pas de français en finale winner bracket, je crois que c'est jamais arrivé à la World Game Cup, tout simplement. Et Decopon, le champion du monde, qui joue Sierra contre le Maxi de Sawazuma, Sawazuma, qui passe la première shot, Sawazuma, voilà, qui prend l'avantage, pour l'instant, il s'en sort bien contre Decopon, il place le low kick, le bas, pour l'instant, voilà, c'est contre le standing B, attention, Sawazuma qui prend l'avantage sur Decopon, ce serait une surprise, hein, que Decopon ne soit pas en finale winner bracket. Mais c'est jamais joué, premier round pour Sawazuma. Tandis que Malek affronte Rufus sur l'autre scène. La première demi-finale winner. Voilà, pour l'instant. Allez, le back kick qui passe complètement. Sawazuma, un petit peu moins bien parti dans le spoon. Le launcher qui est trouvé par Decopon. Voilà, il va pouvoir prendre le full combo de Tira. Il recule pour se recentrer, ne pas prendre de risque. Sawazuma qui s'en sort bien. Decopon qui trouve le counter, il est encore launcher. Et premier round partout entre Decopon et Sawazuma dans cette deuxième demi-finale. Le Maxi, voilà, le low qui est trouvé, Sawazuma qui continue d'agresser, et la chope qui est trouvée par Sawazuma avec le brevet, il cherche le wake up derrière, ça fait double contact, Decopon en difficulté, il fait juste un avant, 6-6-A, il y en a juste un qui passe, Decopon au bord du ring, Decopon qui se trouve, il va chercher le counter hit encore une fois, mais ça passe pas, Decopon qui anticipe pour l'instant, tout est dans la garde, Decopon qui pour l'instant va perdre contre Sawazuma, une grande surprise avec Maxi. Parce que c'est pas le Maxi du pré-patch. Et voilà, Sawazuma, 2 rounds à 1, Decopon. Le champion de l'Ivo en difficulté contre son collègue japonais. Et voilà, il se fait partir. Ringo, premier match pour Sawazuma avec Maxi. Pour l'instant que Malek bataille avec Rufus sur les deuxièmes écrans. Allez, ça continue. Et en fait, je crois qu'il y a sans doute un changement de stage. Maxi. Voilà, ils vont sans doute changer de stage. Et voilà, avec une il y a eu un guac. Et c'est parti, Sawazuma 1 à 0 contre Decopon, une place en finale de winner bracket. Et dans ce match, allez, c'est parti. Deux kicks pour l'instant. Ah, c'est trouvé le counter. Sawazuma qui se passe bien encore, c'est 6B, c'est passé, il cherche le white standing B, encore avec un just guard, il s'en sort bien des copains, mais ça va pas suffire, le counter hit qui est trouvé, qui est déchopé à temps,
par Sawazuma qui se fait gratter au sol. Sawazuma qui tente de se relever. Voilà, ça s'est passé dans la garde. Sawazuma, il s'en sort avec un petit lot. Le brevet qui permet d'avoir le bloc advantage. Ça suffit pas. Le launcher de Decopon qui va prendre l'avantage. C'est bien steppé, ça! Avec le counter, il cherche la chope à la relever, mais il fait pas relever à temps. Punition, Decopon! 1-0. Allez, AA, le bas s'est trouvé. Attention, Decopon, le maxi qui continue de mettre la pression. Le brevet qui est trouvé avec le Just Guard. Bah, encore Just Guard, il joue bien. Decopon, pour l'instant, le champion de niveau qui tente de revenir. Et voilà, il rate pas avec le Just Frame. Le maxi qui se rate pas. Le lot s'est passé, il passe derrière. Attention, ça va être punir ça de dos. Aïe, avec les deux barres remplies en plus de brevet. Decopon, il ne peut pas perdre ce round, à moins d'un gros comeback de Sawazuma qui peut peut-être le faire. Il a une barre. Il peut placer un pif français. Non, ça va pas passer. Ça va pas passer. Decopon, le champion de l'Evo. Voilà. Qui mène maintenant 2-0. Voilà. Et là, ça passe. En bref, chassé dans la garde. Le 2A qui est placé. Allez, Decopon, il trouve le counter. Il est avec le 6-6B. Ça passe encore. Oui, ça va punir. Non, ça punit pas parce qu'il était derrière. Attention, la chasse de dos qui est évité. Le Just Guard au bon moment pour passer le launcher de Decopon. Qu'est-ce que c'est bien joué, Emirat. La fin de son combo et Sawazuma qui revient en round à 2. Voilà pour l'instant. Waouh, le whiff punish avec la critical edge de Sawazuma. Il a fait un geste de trop avec le combo stun avec le guard break derrière. Sawazuma is unleashed et il prend l'avantage de guard break. Attention, Decopon qui est complètement terrorisé, qui s'en sort avec un brevage. Ah voilà, block stun trap, Just Guard puni immédiatement. Sawazuma pour revenir à deux rounds partout. Ah, ça ferait chier tout le monde, je pense que Decopon se retrouve en loser bracket. Je pense que ça rendrait service à personne en fait. Mais Decopon, il est absolument pas mort. Et voilà, il va continuer de punir avec le brevage. Le japonais, Blockstone Trap. Derrière, il a une garde encore. Just Guard, c'est puni. Mais c'est dans la garde. Le launcher qui est trouvé par Decopon. Qui rigole pas, Decopon. Voilà, la tira qui se transforme. Attention, le step. Decopon, le launch, ça passe avec le brevage encore. Il l'a bloqué, il punit pas. Mais on peut pas. Attention, full combo qui est trouvé par Sawazuma. Sawazuma encore. Le long brevage qui passe un partout. Il revient de loin, Decopon. Alors en fait, ils discutent pour savoir s'ils vont changer de stage ou pas. Battle 1, fight. Allez, c'est parti. Ouais. Voilà, c'est parti. Bah oui. Perfect. Allez. Battle 2, fight. Voilà, pour l'instant, c'est parti avec le maxi qui place son combo. Le launcher qui passe complètement. Voilà, et c'est parti pour l'instant. Decopon qui prend l'avantage. Le Bravage qui est passé un round partout. Un round partout, c'est le last match. Et quoi qu'il arrive, ça va devoir se finir maintenant. Attention, Decopon qui est mené pour l'instant à l'avantage. Sawazuma qui continue de presser avec son maxi. Le launcher qui est trouvé par Decopon et ça gratte et ça tue. Allez, le maxi qui trouve la choc, c'est déchauffé. Decopon, le long, le full combo, Decopon qui va mener maintenant sans doute. Oh, encore ce coup qui lui permet de mener 2 rounds à 1 pour s'offrir une place en finale de la winner bracket. Allez, le brevet, ce que trouvé, le combo brevet, regardez déjà un quart de barre en moins pour Shining Decopon, mais c'est pas grave, ça continue pour l'instant, attention, pressing du maxi. Garde impact, bien joué de la part de Decopon. Les gars, okay, victoire de Shining Decopon qui se qualifie pour la finale de la winner bracket.
bizarre à jouer. Raziel versus Sawazuma, demi-finale loser bracket. Voilà, un français qui a déjà sorti Kami Chang, le japonais, et il affronte cette fois-ci Sawazuma, l'autre japonais. Sachant que Dekopan jouera contre Jag en finale winner bracket. Donc, Raziel qui doit absolument continuer, le camp français évidemment qui se joint Araziel dans ce match qui va opposer Maxi Alpha Patroclos, la 7 soutien de Soul Calibur 5. Ring of Fini. Et c'est Button Check. Le bouton de check est fini. Raziel contre Allez, Sawazuma. Le français Raziel contre Sawazuma, le maxi japonais qui a failli battre des copains quand même. Il n'est pas là pour rigoler, hein, Sawazuma. Il n'est pas là pour plaisanter. Une petite arène infinie. Ça va sentir le backdash tout ça. Allez, Raziel pour la France, un des derniers Français en liste avec Kusanagi sorti par Jacques Zegemini. Pour l'instant Raziel qui trouve le 3-3 et voilà le combo avec le VK derrière pour prendre le reset. Il cherche le low, puni immédiatement par Sawazuma le japonais. Sawazuma qui prend le low kick. Ah, attention, ça passe pas pour Sawazuma. Voilà la chope, puni immédiatement par Raziel qui rate pas son just frame. Raziel qui trouve la chope, premier round pour Raziel. Ça y est, c'est bien, il y a l'ambiance dans le camp de Soul Calibur. Ça se lève un peu ici. Voilà, allez, un quart de barre en moins, c'est parti pour Sawazuma. Raziel qui cherche l'arrière, ah, tout de suite, immédiatement, fini par le... Et voilà, 3-3-B. Attention, il cherche le wake-up derrière. Ça passe pour Sawazuma, un round partout, le Japon qui remet les compteurs à égalité.
Raziel en difficulté tout de suite. Il trouve à plus qu'à. Oula, ça sert à rien ça, voilà. Le saut kick pour placer derrière Lolo. Ça tente de la punition de Chop. C'est dans la garde. Raziel qui cherche 3-3B. 3-3B encore. Puni immédiatement par Sawazuma qui prend l'avantage. Attention, ça c'est un high. Il s'est bien baissé Sawazuma là-dessus. Aïe, ce step, Sawazuma qui rate pas son combo brevet. Le Japonais, et voilà, Raziel qui lui rend la monnaie de sa pièce. Attention, il va chercher le wake-up. Sawazuma qui s'est pas blessé. Encore! Il step parfaitement les 3-3B. Sawazuma de round 1. Allez, 3-3B, trouvé. Cette fois-ci, avec le 10 CBA. Voilà, petit léger avantage. Il revient bien. Aïe, il se rate un peu. Heureusement, le Japonais qui se rate. Allez, ça va. Raziel, tu dois absolument peut-être chercher le ring out là-dessus. Oh là 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 là. C'est l'hécatombe dans le camp français avec Sawazuma qui prend le premier match. 1-0 pour le Japon. Si il meurt, il ne restera que Kusanagi dans la course. Allez, Raziel, t'es encore vivant. Ça serait bien qu'on évite une finale 100% Japon, juste pour le fun. Allez, c'est parti, voilà. Le 2 kick qui est placé. Allez, le maxi qui tente de choper Raziel, voilà, qui trouve la chope en A tout de suite avec le follow-up qui arrache la barre. Pas de problème pour l'instant. 3-3B, glisse BA, ça passe pour le Just Guard qui passe complètement. Pour Sawazuma à deux rounds de se qualifier et de continuer son chemin en loser bracket. Allez, 3-3B, c'est dans la garde. Il bloque pas le lot encore. Il a sa step dans tous les sens du côté japonais avec Maxi. 3-3B, c'est trouvé. Il rate le glissé BA derrière. Voilà, punition avec le Just Guard. C'est un peu raté vers la fin, mais c'est pas très grave pour l'instant. Ça passe un peu pour Raziel qui peut remettre les compteurs à zéro dans ce deuxième match. Voilà, le barrage est trouvé. Il s'attendait à ce que l'adversaire se baisse. Il s'est pas baissé. Il bloque le coup. Il rate un peu sur Just Ram là-dessus. Sawazuma. Il se baisse pas, hein, le japonais, mais il mange. 3-3B counter. Le full combo qui passe pas pour Raziel. Il s'attendait peut-être pas à toucher. Voilà, 2A. Et ça, c'est steppé. Puni immédiatement par B+K. Aïe. Ça passe pour Raziel. Mais c'était chaud. Ça passe, mais c'était chaud, hein. Il est pas passé très loin. La chope, voilà, la chope en A, rate pas. Derrière, voilà, avec le brevet, ça se rate pas. Le autre, voilà, Amuska, qu'est-ce qu'il y a? Voilà le wake-up, dommage, c'est déchopé. Attention, ça va zoomer en difficulté dans ce round, 3-3B, de round 1. Raziel qui revient en force, après avoir été quand même très largement dominé. Attention, Blockstock, voilà! C'est comme ça, demain, c'est pas passé, c'est pas grave. Il a évité, voilà, le saut kick derrière les longs, faut sauter derrière eux! Ça passe pour les bords, attention, wake up! Avec, la garde au bon endroit pour Sawazuma, ça passe pour lui. Encore ce saut kick, il se croit avec Yoshimitsu Raziel, il a raison. Non, pas de punition. Aïe, ça fait mal, ça. 3-3B, double contact, attention. Aïe, c'est dans le mur, de route partout. Deux rounds partout, c'est maintenant ou jamais. Raziel qui peut sortir le grand jeu. Les deux joueurs qui ont leur barre de critique. Ouf, c'est déchopé. Des deux. Aïe, la chope passe pour Sawazuma. Le japonais qui est pas très loin là. Chope de côté. Voilà, ça fait un tout petit peu plus mal. Avec un mind game de chope, mais c'est déchopé de Sawazuma. Ouah, dans la chope. Une bam, un quart de barre. Dans ce counter, dans la chope. Il l'a vu, 2A. Aïe. Ah, victoire du japonais, Sawazuma continue en loser bracket, 2-0 contre Raziel le français.
L'autre demi-finale nous en raquette opposera le russe Rufus au français Kuzanagi. Kuzanagi, last man standing. Malek, il reste plus de Kuzan qui peut aller au bout tout seul. Évidemment, il y a les tenues. Le corps français, évidemment, qui va se retrancher derrière Cousin. C'est le dernier espoir pour éviter l'humiliation de la première World Game Cup en français dans le top final. J'ai entendu quand c'est facile, il n'y a plus de personne. Le feu, c'est le roi. Yes, check. Et c'est parti, Rufus qui joue Natsu, le russe, contre Kuzanagi, le français, avec Pyro Omega, last man standing. Voilà, avec le avant AB, tout fini par A, 3 kick en counter, avec le arrière A plus B, la bombe pour dasher, chef spécial en B, qui est trouvé par Rufus. Pour l'instant, la Natsu qui cherche le avant en B, c'est puni directement, c'est dans la garde, ça c'est safe. Pour l'instant, le Rufus, le joueur, c'est pas. Eh ben pourquoi il punit pas? Alors, AA. Voilà! Tout ça en punition de chop, c'est bien joué, le low qui passe. Bien joué ça! Dans le arrière A plus B, le saut B, voilà, Kuzanagi qui s'en sort bien, qui revient bien, il peut pas faire grand chose derrière, il n'a pas de damage. Voilà, BB! Kuzanagi! Kuzanagi qui a encore du chemin hein, pour arriver jusqu'à la grande finale, mais faut pas qu'il lâche. Bien joué! Avec le avant B, Bravage. Oula, on le voit jamais ce coup-là. Bien joué, voilà, on saute sur la bombe. Bah A plus B pour punir tout de suite. Très très bien joué de la part de Kuzanagi, il a du réflexe. Le russe, il va pas le tuer avec ça. Natsu, toujours un perso très fort. BB, sa zone. Ah, il a bien joué. Il a osé les choper. Ah, voilà, il saute par-dessus les bombes. Il va pas le tuer avec ça, hein, le russe. Hein. Kuzanagi, on lui fait pas. C'est un blocage, mais par lequel tu représentes. Voilà, Kuzanagi, de round à zéro. Tout le camp français qui place tous ses espoirs évidemment dans Cousa. Très bien joué, Rufus. Avant, voilà le combo qui est trouvé avec la phase de backcourt bien, bonne garde hein, parce que là fallait le voir. Ça aurait pu faire counter combo. Bien joué, le caravan B qui passe complètement. Ça arrête pas du côté de Cousa avec le low qui est trouvé. Aïe, aïe, un counter avec l'arrière A plus B. A. Il cherche le counter hit, Rufus, et il va le trouver près du mur. Ouf, heureusement qu'il avait une garde là-dessus, parce que ça aurait coûté très très cher dans le mur. Hein. Voilà, ça aurait bien joué, c'était bien de pas se relever, et ça, meurt pas sans ton pif. Oh, mais n'importe quoi. Mais c'est pas grave, tant que ça marche. Moi, je l'aime bien, ça sent le... Il meurt jamais sans la lâcher, hein. Évidemment, Rufus qui a raté la punition de la Critical Edge. Oh, Rufus qui counterpique pas trop close. Allez, on va voir ce que va pouvoir faire Cousa.
Yakuza pour continuer pour la France contre le Russe. Et voilà, évidemment, ça punit sur la chope directement. Et il n'a pas trop close, hein, le Russe. Hein. Voilà, ça c'est dans la garde. Buxton Trap avec le 2A. Voilà, West Standing Kick, Back Kick, Bébé, c'est dans la garde. Ah ah. Et voilà, il cherche la chope. Kuza, bon, qui s'en sort bien là. Kuza qui joue serré. Aïe, aïe, ça fait full combo ça avec le Brevage. Qu'est-ce que ça fait mal. Le combo de pas trop close. Heureusement, Kuza qui trouve la chope, il recherche la chope, il la cherche trop, il va se faire punir. S'il continue de tenter les chopes comme ça. Et là, c'est lui qui punit. Allez, 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 voilà. Avec un coup middle, Rufus évidemment, qui s'est baissé en attendant le low kick. Alors, prêt pour punir. Bien joué de la part de Kuza, qui n'a pas pris de risque. Ah ah, punition de kick, bébé. Ah ah, bébé. C'est varié. Voilà, le coup, là, aïe, 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 le counter hit trouvé par Rufus, qui punit mal. Et voilà, avec la critical, c'est garanti. Allez, Kuza qui s'en sort bien, qui est en train de martyriser le Russe. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, ce tour de loser bracket pour Kuzanagi. Aïe, 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 allez, avant B, trouvé par Rufus, faut jamais lâcher. Ouais, il saute, hein, Kuza, il a eu de la chance de sauter là-dessus. Voilà, ça finit direct, attention. Voilà, le counter là-dedans. Aïe, la chope qui passe complètement. Oh là là, il est loin, le Russe, il est loin, là, il est loin, il est loin. Voilà, Kuzanagi qui continue dans la loser bracket. Kuzanagi versus Sawazuma. Voilà, la petite finale loser bracket pour affronter le perdant de la winner bracket. Sawazuma Maxi. Le japonais. Est-ce que Kuzanagi, le français, va pouvoir remonter jusqu'au bout, battre un japonais, puis battre soit en japonais, soit en allemand.